bien, j'ai mes deux mains, mes 10 doigts, les yeux encore endormis, comme tous les matins. Bonjour les copains. On va voir quel jour sommes-nous aujourd'hui. Hier c'était lundi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Vendredi, dimanche, lundi. Non, lundi c'était hier. Mardi, très bien. Si hier c'était lundi 23, quel est le numéro du jour d'aujourd'hui? 24. Très bien, parce qu'après le 3, vient le 4. Hier, c'était lundi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Et demain, nous serons mercredi. Hier, je vous ai raconté cette histoire parce que, souvenez-vous que je vous avais dit que le samedi a commencé l'automne. Et ce livre-là me fait penser à l'automne parce qu'il y a des feuilles qui tombent. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qui était tombé sur la tête du poussin? Un gland. Un gland lui était tombé, aïe, sur la tête. Est-ce que le poussin était intelligent? Pas trop. Qu'est-ce qu'il a pensé? Que le ciel tombait. Est-ce que c'est possible que le ciel tombe? Mais lui, il a pensé que le ciel tombait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prévenir le roi. Prévenir le roi, ça veut dire qu'il voulait raconter au roi que le ciel tombait. Il allait annoncer cette tragédie. En chemin, il rencontre la poule. Et la poule lui demande, « Mais où cours-tu comme ça ?» Et le poussin lui répond, « Le ciel tombe, il faut prévenir le roi. » La poule, qui s'appelait Maboule, veut l'accompagner. En chemin, il rencontre le coq, Rico le coq. Lui aussi, il leur demande, « Mais où courez-vous comme ça ?» Et poussé, le poussin lui répond, « Le ciel tombe, il faut prévenir le roi. » Et lui aussi veut accompagner. Et ils partent les trois. En chemin, ils rencontrent la canne. Elle s'appelle Marianne. Elle aussi, à son tour, elle demande, « Où courez-vous comme ça ?» Et poussé le poussin lui répond de nouveau, « Le ciel tombe, il faut prévenir le roi. » Et elle aussi veut les accompagner. « Alors je viens avec vous. » En chemin, ils rencontrent Coin Coin le canard. Après, ils rencontrent Marianne Loire, Dodu le dindon, et ils partent tous les 7 à la rencontre du roi. Mais à qui ils retrouvent en chemin, dans le chemin? Au renard qui s'appelle Goupil. Est-ce que Goupil a de bonnes intentions? Est-ce qu'il veut les aider?
Il veut les tromper et il leur dit « Suivez-moi, moi je sais où se trouve le roi. » Et les 7 oiseaux, le poussin, la poule, le coq, la canne, le canard, l'oie et le dindon rentrent dans le terrier. Qu'est-ce que c'est le terrier? Le terrier, c'est la maison du renard. Alors, si les 7 oiseaux rentrent dans le terrier du renard, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez la langue du renard. Regardez le ventre du renard. Le renard les a mangés. Et le pauvre poussé, le poussin n'a pu jamais aller prévenir le roi. Maintenant, c'est vous qui allez être les personnages. Moi, je serai poussé le poussin et vous allez être tous les autres personnages. Alors, vous allez devoir répondre. Ça va être un jeu question-réponse. On va essayer. Un jour, un gland tomba sur la tête de Poussé le Poussin. Poussé le Poussin regarda dans le ciel et il dit « Le ciel tombe, il faut prévenir le roi. » En chemin, il rencontra Maboule la poule. « À vous de dire bonjour, Poussé le Poussin. » Où cours-tu comme ça? Le ciel tombe, il faut prévenir le roi. Alors je viens avec toi, vous répondez. Alors je viens avec toi. En chemin, il rencontrait Rico le coq. C'est que le ciel tombe, il faut prévenir le roi. En chemin, ils rencontrèrent Marianne la canne. C'est que le ciel tombe, il faut prévenir le roi. Et ils partirent tous les trois à la recherche du roi. En chemin, ils rencontrèrent Coin-Coin le canard. C'est que le ciel tombe, il faut prévenir le roi. Et ils partirent tous les quatre à la recherche du roi. En chemin, ils rencontrèrent Rebecca Lois. C'est que le ciel tombe, il faut prévenir le roi. Et ils partirent tous les 5 à la recherche du roi. En chemin, ils rencontrèrent Dodu le dindon. C'est que le ciel tombe, il faut prévenir le roi, dit le poussin. Et ils partirent tous les 6 à la recherche du roi. Tous les 7, pardon. En chemin, ils rencontrèrent Goupil le renard. Bonjour, je sais où se trouve le roi. Suivez-moi. Allez, répétez. Bonjour, je sais où se trouve le roi. Suivez-moi. Entrez dans mon terrier. Poussez le poussin,
Mabou le la poule, Rico le coq, Marianne la canne, Coin Coin le canard, Rebecca l'oie, Dodu le dindon, suivirent Goupil le renard jusque dans son terrier et n'en ressortirent pas. Et pousser le poussin ne put jamais prévenir le roi. Au revoir.